Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Ben, c'est où? En fait, c'est un film que je n'ai pas décidé. C'est un film qui s'est fait au fur et à mesure de mes expériences avec l'ego. Je suis allée dans un premier temps pour faire, parce que je suis anthropologue, donc une enquête anthropologique sur le terrain. Et ma manière de prendre une place, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'était par la photo. Et j'ai pu récolter de l'argent que je leur ai rapporté 3 ans après. Et je les ai filmés à ce moment-là, quand j'ai senti qu'elles me donnaient... une intimité dans une sorte de demi-silence que j'avais jamais vue parce que jusqu'à présent, je n'étais jamais sortie des ghettos. J'ai senti qu'elle me faisait un cadeau immense de s'abandonner à moi de cette manière-là, sans craindre la caméra au plus près. Je filmais en étant sur le lit avec elle, au réveil, ou en train de dormir, ou en train de respirer avec leurs enfants. Ça m'a énormément touchée. Quand elles m'ont accordé ces moments dans le demi-silence, moi, ça rencontrait un désir que j'avais depuis très longtemps, que j'avais déjà assouvi avec un film que j'ai fait en prison, qui s'appelait « Si bleu, si calme », où j'ai cherché non pas les conditions carcérales, parce que ça avait été 1000 fois traité, mais j'ai plutôt cherché l'intériorité des détenus dans leurs cellules. Et j'ai là, à nouveau, fait la même démarche, mais en allant sans doute plus loin. J'ai essayé de chercher l'intériorité de ces filles, en effet, à travers leur corps, leur mouvement, leurs fossiles, le grain de leur peau, leur beauté dans la blessure. Moi, je pense que c'est grand public, parce que je pense que l'émotion que j'ai eue, qui ne passe pas par un discours justement compliqué, je pense que tout le monde peut la ressentir. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir ici, c'est de voir que j'avais raison d'une certaine façon, en tout cas pour le public d'ici, je ne sais pas s'il est particulièrement sélectionné, intelligent, mais en tout cas, il y a eu un partage. Ça, c'est à l'évidence. Et en plus, dans la projection hier soir dans le village de Florence, j'ai senti quelque chose qui... traverser la salle, ils n'étaient pas très nombreux, mais il y avait une vraie émotion, on se sent dans la voix quand on vous pose des questions. La création, c'est obligatoirement dans cette tension entre la liberté et la contrainte. Mais pas n'importe quelle contrainte. Hein. L'autoritarisme, ce n'est pas une contrainte. Il y a des contraintes qui sont heuristiques et d'autres qui ne le sont pas. Mais on a besoin quand même d'être dans quelque chose sur lequel on rebondit, on tape, on se cogne, etc. pour arriver à créer. Et il faut aussi que quand ces mouvements de création arrivent, on ait dans le geste cette capacité de liberté, ça c'est sûr.